Bienvenue sur la chaîne JFR900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite tronçonneuse. Une petite tronçonneuse de la marque Ryobi. Donc, cette petite tronçonneuse est une tronçonneuse électrique, alimentée par batterie, pas de câble électrique, bien entendu. Et cette tronçonneuse, eh bien, c'est la Ryobi. Je vais le lire parce que c'est RY18CS20A. -125. Alors il est possible qu'au bout de la dénomination on veut retrouver tiret autre chose. C'est pas une différence de la machine, en fait c'est la différence de batterie. Si vous retrouvez tiret 0, votre produit est livré sans batterie. Si vous retrouvez tiret 125, c'est que vous avez une batterie à 2,5 ampères-heure. Voilà. Si par exemple vous avez 250, ça voudra dire que vous aurez deux batteries à 5 ampères-heure. Donc personnellement, j'avais besoin de faire du petit élagage, du petit tronçonnage, du petit abattage en fait. Et j'aurais encore besoin d'en faire d'ailleurs, puisque je me suis séparé, malheureusement, mais je n'avais pas le choix, de quelques arbres. Et j'avais aussi d'autres petites choses à débiter, comme des palettes, des choses comme ça. Et puis, j'avais pas tellement le matériel pour le faire. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'ai une petite tronçonneuse. Donc, j'en ai une grosse, bien entendu, pour faire de l'abattage, de plus grosses dimensions. J'ai aussi une tronçonneuse sur perche. Je vous l'avais présentée sur cette chaîne. Et puis donc, il me fallait quelque chose de maniable. Donc j'ai cherché un petit peu sur toutes les marques et j'avais hésité entre une autre marque et celle-ci. Et puis, bah, j'ai décidé de prendre cette Ryobi parce qu'elle me paraissait bien compacte. Voilà, et ça, c'est son gros avantage. Et en plus de ça, elle est légère, on va voir ça. Alors, cette petite tronçonneuse, déjà, quand elle arrive, donc soit elle arrive nue, si vous la prenez sans batterie, parce qu'il faut savoir que les batteries... Donc, elles sont compatibles avec d'autres machines Ryobi. Hein, donc, ça, c'est très bien. Et donc, vous avez un kit de démarrage avec une batterie de 2,5 ampères-heure. Donc, c'est de la batterie au lithium, bien entendu. Donc, la machine arrive avec sa batterie, le chargeur et une petite burette d'huile plus des manuels d'utilisateur. Voilà. Cette tronçonneuse, bien entendu, comme vous la voyez là, elle n'arrive pas comme ça. Elle est démontée hein, dans le carton. Vous n'aurez pas le guide chaîne et la chaîne montée, il faudra le faire. C'est très simple. Déjà, vous avez un outil qui est incrusté dans la poignée, donc ça c'est très bien. Et puis, vous allez devoir enlever le cache ici, mettre votre guide et resserrer, puis tendre la chaîne. C'est vraiment tout con. C'est très très simple à faire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi qui fait de l'utilisation? Alors, bien entendu, si vous êtes bûcheron, vous n'aurez pas besoin de ce genre de machine. Ou alors, vous allez prendre une machine brushless, puisque celle-ci n'est pas brushless. Et puis, vous allez aller sur une marque bien plus importante. Mais si vous avez du petit abattage à faire, plutôt de l'ébranchage, voilà, des choses comme ça, pas de l'abattage gros diamètre, mais de l'abattage petit diamètre, ça va très bien aller. Donc, vous avez un guide de 20 cm, et franchement, vous allez pouvoir, avec ce guide de 20 cm et sa chaîne, vous allez pouvoir couper du diamètre de 12 à 15 cm maxi. N'essayez pas d'aller plus loin, ça n'ira pas, et en plus de ça, elle va peiner. Sa vitesse d'avance est de 4,6 mètres secondes, c'est pas énorme, hein, donc voilà, ne vous attendez pas à une machine extrêmement puissante. C'est pas fait pour ça d'ailleurs, c'est fait pour les particuliers qui ont du petit travail à faire, mais je vous garantis que ça fonctionne super bien et c'est bien suffisant. Comme je vous disais, la tension de la chaîne se fait avec l'outil qui est dans la poignée. C'est très très simple, vous allez dévisser ici. Vous allez serrer la petite vis ici et vous allez bien entendu resserrer correctement ceci et votre chaîne sera tendue. Faites attention qu'elle ne soit pas trop tendue, là la mienne est un petit peu trop tendue, mais faites attention à chaque fois de quand vous travaillez avec, faites attention qu'elle soit bien tendue et qu'elle ne pende pas, hein, surtout. Hein.
L'ergonomie est relativement bonne puisqu'on a quand même une poignée pour la main gauche. Alors bien entendu, c'est une machine pour les droitiers. Malheureusement, c'est un petit peu toujours comme ça. Donc vous avez une poignée ici relativement bien assez grande pour une bonne main en fait. Et puis vous avez une poignée ici relativement agréable à tenir en fait. Et c'est voilà, c'est vous avez un revêtement antidérapant sur la poignée, vous l'avez bien en main. Le système d'allumage est bien entendu très sécurisé puisque vous avez un bouton ici que vous devez activer et vous allez appuyer sur le bouton, je vous montre. Voilà, tout simplement. Ce qui fait son point fort en fait, eh bien, c'est sa résistance, en fait sa capacité de coupe par rapport à son poids. Donc c'est vraiment bien parce que bien entendu vous pouvez acheter des petites mini tronçonneuses, mais vous ne ferez pas qu'une mini tronçonneuse que vous allez faire avec celle-ci. Donc voilà, c'est un choix à faire. Si vous avez déjà des grosses branches, eh bien ça va très bien aller. Et d'ailleurs vous allez pouvoir parfaitement vous en servir à distance. Elle n'est pas très lourde. Pas légère non plus, mais elle est pas très lourde. On va la peser tout de suite. Alors faites attention parce que les constructeurs vous donnent parfois un poids à vide, sans batterie. Donc faites attention à ça. Moi, je vais vous montrer avec une batterie comme ceci, que j'ai déjà dessus, puisque j'en avais déjà une, moi, puisque j'ai déjà du Ryobi chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas pris une batterie plus grosse, puisque j'en avais déjà plusieurs. Donc la tronçonneuse, plus sa batterie de 2,5 ampères-heure, elle fait exactement, sans son cache, puisque vous n'en servez pas avec le cache, 2,6 kg. Voilà. Par rapport à la concurrence, c'est quand même un peu plus bas. Par exemple, la marque Enel en fait une qui est très très bien, qui est à peine plus longue, mais qui est plus lourde. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est plus légère, en fait, cette tronçonneuse? Eh bien, malheureusement, malgré tout, puisque c'est peut-être un petit point faible quand même, eh bien, vous avez un graissage manuel de la chaîne. Vous n'avez pas un système intégré où vous allez mettre l'huile dedans et ça coulera au goutte à goutte. Malheureusement, sur cette machine, vous devez à chaque fois hop, en mettre et puis vous tronçonner et n'oubliez pas d'en remettre. C'est le petit bémol, c'est un petit peu dommage, c'est pour ça que j'avais hésité. Mais néanmoins, si vous aviez un système intégré d'huile, eh ben, vous pourriez avoir facilement 100 grammes de plus. Et 100 grammes de plus, ben, ça fait la différence quand on tend le bras, voilà, tout simplement. Donc je vais quand même la mesurer devant vous, voilà, elle fait 50 cm à peine, 48, elle fait 48 cm de totalité. Un guide chaîne qui fait 20 cm et vous avez donc une capacité de coupe de 18 cm, mais attention, ça, vous n'allez pas couper sur 18 cm, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas aller au-delà de 14-15 cm maximum. J'oubliais aussi, vous avez une chaîne donc pour un guide de 20 cm qui est en 33 maillons. Voilà. Une fois que vous vous êtes servi de cette petite tronçonneuse, déjà, vous enlevez la batterie pour pas qu'il y ait d'accident. Et puis, vous allez pouvoir faire le nettoyage. Donc, je vous conseille de tout enlever, de nettoyer tout votre guide et tout. Sinon, si vous ne voulez pas le faire parce que vous savez que le lendemain, vous allez vous en resservir, vous avez accès dessous, il y a beaucoup d'espace. Si vous avez une petite soufflette, vous soufflez dedans, ça va très bien aller. Et puis voilà, tout simplement. Allez, ce que je fais, je vous montre quand même l'intérieur rapidement. Alors, une chose importante, là, je ne fais pas... En fait, je vous montre pas le bon exemple. Et dans ma vidéo, je ne vous montre pas du tout le bon exemple. Quand vous vous servez d'une machine comme ça, si vous n'avez pas l'habitude... même si vous avez l'habitude, mais bon, voilà. Pour ceux qui commenceraient, qui me disent « Tiens, j'ai jamais tenu une tronçonneuse de ma vie », ça arrive, c'est normal. Voilà. Eh bien, mettez des gants. Surtout, ne faites pas comme moi. Là, je vous montre le très, très mauvais exemple. Je ne mets pas de gants et ça, ça coupe très, très bien. Donc, quand vous la manipulez, mettez des gants. Quand vous tronçonnez, mettez des gants. Mettez aussi un casque, si vous voulez, un casque sur les oreilles, je veux dire, pour le bruit. Elle n'est pas très bruyante, on n'est pas sur du thermique. Voilà. Alors, je vous montre ça. Voilà, j'enlève la vis ici. On enlève le guide. Voilà, on voit que c'est un petit peu sale. Moi, je l'ai soufflé juste comme ça.
faites attention au sens de votre chaîne. Hein, les maillons, je vous montre les maillons comme ils doivent être. En fait, de toute façon, sur la notice, tout est expliqué. Donc ne vous trompez pas de sens, sinon ça va pas bien couper. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je manipule ça avec précaution. Bon, j'ai un peu l'habitude de bricoler, donc ça va. Mais bon, voilà, mettez des gants, c'est mieux. Et voilà, donc et vous avez ici ce qu'il faudra nettoyer. J'ai coupé pas mal de choses pour la vidéo. Franchement, ça c'est pas trop sali, ça va, c'est pas mal. N'oubliez pas de faire le graissage de votre chaîne, ça c'est très important, très souvent. Vous pouvez aussi graisser de temps en temps, nettoyer et graisser un petit peu ceci ici. Bon, sans plus quoi, voilà. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à aller sur le terrain pour voir comment elle coupe notre petite tronçonneuse Ryobi. Donc qui est la RY18CS20A, voilà. -125 pour celle-ci, hein, qui correspond à cette batterie-là. Vous allez retrouver cette tronçonneuse sur Amazon. Je vous mets le lien Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. J'en suis très, très satisfait. Je vous mets un lien Amazon. C'est un lien affilié. Hein, ça me rapporte un petit quelque chose. Ça m'aide pour cette chaîne et pour mon autre chaîne aussi. Et donc voilà, sachez que Ryobi, c'est du très, très bon matériel, pas trop cher. En plus de ça, tout est de plus en plus compatible pour tout ce qui est Ryobi. C'est du très bon matériel, c'est très très bien. Il y a un site internet Ryobi, vous avez des pièces détachées, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, bon, vous pouvez aussi acheter sur le site officiel Ryobi, voilà, tout simplement. Voilà, donc, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et on se retrouve tout de suite sur le terrain avec notre petite tronçonneuse. Alors, je vous montre déjà la coupe d'une palette. Donc bien entendu, ne faites pas comme moi, mettez des chaussures de sécurité, des gants, un casque pour le bruit, enfin voilà, tout l'équipement complet, c'est mieux. Voilà, donc là je la prends d'une seule main et franchement, ça va, c'est nickel, ça coupe très bien, il n'y a pas de rebond, voilà, c'est pas excessif, je veux dire. Bien entendu, il faut faire attention quand même, mais bon, ça marche très très bien. Alors encore une fois, ne faites pas ce que je fais, vous voyez que là, la tronçonneuse est proche de mes mains, donc faites attention. Mettez des gants, ne faites pas comme moi, là je donne le mauvais exemple. Et on continue la coupe. N'oubliez pas régulièrement de graisser la chaîne. Ça, c'est très important pour que la coupe soit bonne, en fait, et qu'il n'y ait pas un échauffement de la chaîne. Et on continue. Faites attention aussi à la tension. Là, vous voyez que ma chaîne s'est un petit peu détendue. Donc, vous prenez le petit outil et puis, eh bien, vous retendez un petit peu la chaîne. Donc, c'est pas dur à faire. Hein. Vous dévissez le petit écrou. Tac. Et puis, vous allez visser la petite vis à l'aide de cet outil. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est tendu, vous revissez votre guide. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, je passe au débranchage d'une petite branche de tuya, voilà, tout simplement. On va en couper une un peu plus grosse. Une tuya qui est morte, donc c'est du bois assez tendre, donc ça va. Ça coupe très très bien, voilà. Vous pouvez parfaitement faire du petit débranchage sans souci, d'une seule main, attention à vos doigts, tout simplement. Voilà, franchement, cette petite tronçonneuse Ryobi, eh ben, elle est très maniable. Moi, je la sens pas trop, hein, les 2 kilos, bon, bien entendu. Après, c'est selon votre force physique. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'elle peut couper, en fait. Donc ça, c'est un morceau de pommier, un vieux pommier.
et c'est du bois qui est assez dur, le poignet, surtout quand il a séché. Et là, je vous montre un petit peu la coupe d'une branche qui doit faire environ 12 cm. Voilà, tout simplement. Je vous conseille pas de couper bien plus gros, peut-être à la rigueur jusqu'à 15 cm, mais n'allez pas plus loin. Voilà, donc franchement, je suis vraiment satisfait de cette petite machine. Je vous la conseille. Ça coupe très très bien, c'est pas mal du tout, c'est maniable, c'est ergonomique. Et puis voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao !